fabrique de jouets Vogel. Alors, on s'amuse. Oui, monsieur. Non, monsieur. Non, pas tellement. Non. J'ai. Vous savez que vous n'avez pas le droit de toucher à ces trancs. Ils sont là pour que les acheteurs les examinent. Et vous allez les remettre à leur place comme vous les avez trouvés. Et je veux que vous le fassiez maintenant. Oui, monsieur. Tout de suite. Savez-vous si Carson est là? Non, on ne l'a pas vu. Il n'a pas téléphoné. Nous avons eu une nouvelle. Irresponsable comme les autres. Il sait que j'attends ce prototype aujourd'hui. Sturgis m'a appelé toute la matinée. Je pourrais fabriquer un prototype, Gordon. Je le ferai aussi bien que Carson, mieux même. J'ai. Vous savez bien que vous êtes incapable de créer un objet aussi sophistiqué qu'un prototype à cause de vos trous de mémoire. Et quel trou de mémoire, monsieur? Vous voyez, vous avez des trous de mémoire à propos de vos trous de mémoire. C'est mijoté et ensuite 22, voilà le patron. Monsieur Sturgis de chez Globe Jouet vient de téléphoner. Dois-je lui... Négatif. S'il téléphone, faites-le patienter. À vos ordres. Apportez du café, du sucre et plein de crème. Le docteur Carson n'est pas là, mais j'ai sa fille au téléphone. Le docteur Carson, docteur Bricolo, oui. Ce soi-disant génie me donne envie de vomir. Laissez-moi parler à sa petite punaise de fille. Allô, cher trésor, comment allez-vous? C'est monsieur Vogel. Ça va bien, monsieur Vogel? Ah, j'en suis enchanté. J'aimerais beaucoup pouvoir parler avec votre daddy. Non, je regrette, il n'est pas disponible. Alors, quand sera-t-il disponible? J'en sais rien, monsieur Vogel. Il travaille sur un projet important et il a dit qu'il ne voulait être dérangé sous aucun prétexte. Il faut absolument que je lui parle. Oui, je dirai. Mickey! Mickey, j'ai réussi! Viens au labo, vite! Il a réussi? Réussi quoi? Mon prototype? Allô? Dites à votre père que je veux lui parler! Écoute, j'essaie de terminer mes devoirs. J'ai un examen demain. Becky, viens. Cette fois, c'est vrai. Becky. Oh, j'arrive. Becky, il est vivant. Il était vivant, je te le jure. Oui, bien sûr, je te crois. Je t'assure, il a bougé. Quelque chose a dû se passer. Oh, t'es trop. Tu lui as fait des boutons? Ou c'est des taches de rousseur? Papa, c'est quoi ce bouton qu'il a sur le bras, juste là? Eh bien, ça, c'est son régulateur de vitesse. En fait, je devrais placer ça à l'intérieur, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est drôle, il te ressemble. Enfin, quand t'étais plus jeune. Ah oui, c'est possible, mais je l'ai fait plus joli garçon que je ne l'étais à son âge. Ce qui fait quel âge? 17 ans. Tu l'as fait plus vieux que moi? Mais tu as toujours dit que tu voulais un frère plus âgé. Papa, c'est pas exactement ce à quoi je pensais. Pourquoi? Et c'est un authentique garçon de 17 ans aux normes de l'industrie américaine, ma chérie. Doté de senseurs audio-vidéo, de compresseurs de déchets incorporés, muni d'un contrôleur de fonction à multivitesse, le tout en plastique multiflex qui a l'avantage de ressembler étonnamment à la... Cher! Oh! Papa, c'est pas croyable, c'est pour de vrai. Salut papa. Salut. Fiston.
Monsieur Sturges, en tant que président d'une organisation aussi grande et prestigieuse que Globe Jouet, il est tout à fait naturel que vous soyez impatient de voir notre nouveau prototype. Vous m'aviez promis que je le verrais aujourd'hui. Où est-il, monsieur Vogel? Eh bien, il y a un petit retard de rien du tout. Ah, il n'y a aucune place dans les affaires pour les rien du tout, monsieur Vogel. Pourrais-je me permettre d'attirer votre attention sur les énormes sommes d'argent que Vogel et compagnie a fait gagner à Globe Jouet grâce à nos miniatures militaires? Ça, c'est du passé. Les fêtes de Noël approchent. Si vous ne pouvez pas livrer, nous devrons nous approvisionner ailleurs, monsieur Vogel. Monsieur Sturges, ce prototype dépasse tout ce qui a été fait. C'est le premier d'une série de jouets de guerre qui va révolutionner le monde. C'est une idée absolument géniale. Des peluches de combat. Mais je ne crois pas que vous puissiez militariser des ours en peluche. Et je parle au nom de mon père également, monsieur Vogel. Monsieur Sturges, le colonel Gordon C. Bang Bang Vogel militariserait sa concierge. Il me faut un peu de temps. C'est une chose de reprogrammer Toby Tommy en un guerrier indestructible Tombi Destroy Commando. Mais de reprogrammer le nouveau prototype Big John le lapin en un lapin du combat, c'est bien plus complexe et plus long. Je serai parti vendredi soir. Si vous ne l'avez pas d'ici là, ça y est, c'est fini. C'est définitivement terminé. Passez une bonne journée, monsieur Vogel. Bonne journée, monsieur Sturges. Ah, c'est parfait, c'est Lissette. Maintenant, lève ton bras gauche. Oui, très bien. Laisse retomber tes jambes du côté gauche de la table. Très bien, c'est Lissette, c'est parfait. Tout fonctionne à merveille. C'est Lissette. C'est ça son nom? Oui, pour l'instant, sauf si tu m'en trouves un peu plus chouette ou plus normal. Que penserais-tu, par exemple, de Sting ou Prince? Un nom qui évoquerait le monde du rock. Quel genre de rock? Éruptif ou sédimentaire? Ah non, elle veut parler d'un autre genre de rock. Tu vois, C-17 est pour l'instant programmé presque exclusivement pour la science. C'est ce que je disais, tu l'as fait à ton image. Que penses-tu de Chip? Chip? Oui, Chip, ça me paraît normal comme nom. Et dans ton jargon, Chip, ça veut dire puce. Comme dans puce électronique, oui. Mais d'accord, va pour Chip. Tu t'appelles Chip? Répète. Je m'appelle Chip. Est-ce que tu aimes ce nom? Est-ce que je l'aime? Oui. Oui. Chip, tout comme un être humain. Eh bien, oui, excepté qu'un être humain ne soulève pas une tonne, ne voit pas dans son dos et ne maîtrise pas un guépard. Je sais faire tout ça, papa? Oui, tu sais faire tout ça. Je suis formidable. Plus que tu ne le crois. Oh oui, eh bien, tu sais faire ça? Allez, ça suffit comme ça. Oui, il a tout à fait l'air normal. Oui, mais méfie-toi, tout ce que tu dis, il le prend à la lettre. Tu peux arrêter maintenant. Ce n'est qu'une machine. Il a des puces dans son système. Et... Négatif, papa, je n'ai détecté aucun insecte dans mon mécanisme. Tu vois ce que je disais? Non. Tu apprendras si tu m'écoutes. Suis-moi bien. Et si mon expérience marche un jour, tu seras exactement comme un être humain. Tu sais, je pense que tu es resté dans ton laboratoire un peu trop longtemps. Mais c'est le but de toute cette expérience. Voir si un androïde programmé de façon positive pourra un jour apprendre à former ses opinions. À se reprogrammer lui-même comme un être humain. À devenir... À devenir un humain. Un humain sans violence, sans préjugés. Il ne mourra jamais, il ne sera jamais malade et... Pas de rage de dents, pas de rhume, pas de grippe. Mais il lui faudra des connaissances, et pas uniquement celles des livres. Je parle des connaissances générales, nécessaires à la vie de tous les jours. Ah, tu veux dire qu'il est en constante programmation? Ah oui, tant qu'il est branché, il est capable d'absorber des informations, d'apprendre. Waouh! C'est pour ça que tu vas m'aider quand on l'enverra à l'école. Tu veux l'envoyer à l'école? Oui, s'il peut survivre au collège, il pourra survivre à n'importe quoi. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à mes copines? Je pense qu'elles vont se demander si j'ai pas sorti ce frère de mon chapeau. Eh bien, il n'ira pas dans ton collège, Becky. Ah bon? Il faut qu'on s'en aille. Tout le monde nous connaît ici. Tu veux dire qu'on va déménager et aller ailleurs? On est bien obligé. Ça ne fait que la troisième fois qu'on déménage depuis la mort de maman. Oui, je sais, mais... Pourquoi on peut pas vivre normalement, comme tout le monde, pour une fois? Nous vivons très normalement, je trouve. Aucune de mes amies n'habite dans une maison de location. Dans du mobilier de location. Écoute, ce sera sans doute la dernière fois que nous devons déménager, je te le promets, chérie. Oui, mais j'ai grandi ici, moi. Du moins ces 4 dernières années. Et toutes mes amies vivent ici. Mais
On doit garder Chip au secret, c'est vital. S'il tombe en de mauvaises mains, il peut devenir un robot de destruction. Mais je viens d'être nommée entraîneuse de notre équipe. C'est dingue. J'arrive pas à croire que tu aies décidé ça sans même m'avoir demandé mon avis. C'est injuste. Tout abandonner pour une satanée machine. Becky. Becky ne m'aime pas. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. J'ignore ce que c'est. Becky, s'il vous plaît. Où est passé mon prototype? Oh, ce n'est qu'un petit retard de rien du tout, mais je vous promets que... Monsieur Carson, vous avez signé un contrat. Vous avez accepté une avance. Vous étiez d'accord sur la date de livraison. Qu'est-ce qu'un petit retard de rien du tout peut avoir de si important? Rien du tout. Rien du tout. Enfin, rien susceptible de vous intéresser, je vous assure. Et comment sauriez-vous ce qui m'intéresse ou pas? Car il existe plein de choses qui m'intéressent, des choses variées, même étranges. Par exemple, les puces. Je suis des plus intéressé par les habitudes migratoires des puces. Le saviez-vous? Non. Vous voyez? Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous occupe tant depuis... Écoutez, vous aurez votre prototype vendredi, c'est promis. Merci, hein, c'est gentil d'être passé me voir. Une minute. Encore une toute petite chose. Et lui, qui est-ce? Lui? Lui. Il est... c'est un des copains de collège de Becky. Chip, dis bonjour à Monsieur Vogel. Oui, papa. Bonjour, Monsieur Vogel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit papa. C'est mon fils, oui. C'est, mon fils est aussi un des copains de collège de Becky. J'ignorais ce détail. Oui, mais il était pensionnaire, lui, au collège. Chip, je crois qu'il est temps que tu ailles dans ta chambre. Oui, ma chambre, papa. C'est au premier, juste à côté de la chambre de Becky, sur la gauche. Ça n'a pas changé. Il a été absent très longtemps. On dirait, oui. Sa tenue fait de l'effet. Il veut devenir médecin. Oui, c'est un bon choix. Alors, à vendredi. Et n'oubliez surtout pas Carson. Votre fils est charmant. Oui, merci, oui. On est tous des paumés. Trois bricolos dans la famille. Becky, j'ai pensé à ce que tu me disais tout à l'heure, tu sais, à propos de... Enfin, tu me trouvais injuste. Et... Tu as raison. Je suis injuste. Et... Pardonne-moi. Tu me pardonnes? On va rester. Je veux seulement que tu m'aimes, papa. Oh, mon chéri, mais oui. Évidemment que je t'aime. Pourquoi tu me le dis jamais? Je suppose que c'est parce que j'ai été absorbé par le travail dernièrement. Je ne suis plus le même depuis la mort de ta mère et... Je me suis constamment demandé qui pourrait s'occuper de toi si jamais je disparaissais. Alors tu m'as fabriqué un frère? Oui. Oh, papa. Tu seras près de moi encore très longtemps. Mais merci quand même pour le frère. Cela signifie que tu ne vas pas me démonter, papa? Non, bien sûr qu'il ne va pas te démonter. On va déménager. Quoi, quoi? Et ton équipe, tu vas la quitter? Oui, je pense qu'il y aura sûrement une autre équipe à entraîner. Bien sûr, c'est évident, ça. Tu sais, c'est excitant, le changement. Je veux dire, un nouveau collège, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Tu en es bien sûr? Absolument. Ce sera une grande aventure. Nous partons là où aucune famille n'est jamais allée auparavant. Tu es merveilleuse. Je t'aime très fort. Oh, je t'aime aussi, chérie. Très fort. Est-ce qu'on m'aime aussi? Très fort. Et tu crois pas que tu pousses un peu, non? Que je pousse quoi? Bon, alors, quand partons-nous? Eh bien, dès que possible. Vogel a déjà vu Chip, alors il risque de tout deviner. Je serai pas longue à faire les bagages. Non, je dois terminer ce prototype pour Vogel.
Pourquoi? Je m'y suis engagé. Et c'est un horrible personnage. Il le reprogrammera en un jouet de combat. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'empêcher qu'il le fasse. Il suffirait de l'équiper d'un programme anti-violence, tout comme moi. Je n'ai pas le temps, Chip. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si quelqu'un décidait de reprogrammer Chip de façon négative, il est conçu pour s'autodétruire. S'autodétruire? Mais c'est affreux. C'est inhumain. Eh bien, c'est une protection. On ne sait jamais si Chip se faisait enlever au collège. Qu'arriverait-il s'il trafiquait le système central? J'ai déjà pensé à ça, mais tout d'abord, il faudrait qu'il sache que tu as un système d'autodestruction. Et comment le saurait-il? Mais si toutefois il le découvrait, eh bien, j'ai aussi un système indépendant que je peux activer par commande à distance. Tu pourrais me faire exploser? C'est ça. C'est effroyable. Alors c'est ça. C'est le lapin Big John. C'est ça, votre guerrier, ce lapin débile! Je vous en prie, calmez-vous. De toute évidence, ça ne peut être qu'une erreur. Ça n'aurait pas dû arriver chez vous. Alors pourquoi l'ai-je reçu? Le concepteur n'a pas compris ce qu'il fallait faire, il s'est trompé. Il aurait dû être plus grand, plus fort et plus macho et... Je savais bien que vous ne pourriez faire d'un lapin un jouet de guerre. Si je le peux, donnez-moi juste une semaine et vous aurez votre lapin guerrier sur votre bureau. Non, j'emporte toutes mes commandes ailleurs. Et vous savez ce que vous pouvez faire de votre lapin? Je comprends pourquoi vous avez été éjecté de l'armée. Ils n'ont pas dû apprécier que vous fassiez exploser les toilettes. Je le dirai à mon papa. C'est ça. Et dites-le à votre maman aussi. Je crois qu'il n'a pas aimé. J'en ai assez. Carson, c'est terminé, je vais le virer. Il a dû le faire exprès, il a fait ce ridicule prototype et l'a envoyé directement à Master Just pour me ruiner. Et si je lui mettais un casque à pointe avec des trous pour passer les oreilles, un blouson de pilote, bah oui, c'est ça. Je comprends pas. Il se passe quelque chose, mais quoi? Il travaille sur un projet important, sa stupide fille me l'a dit au téléphone. Peut-être que je peux le reprogrammer, le faire tirer des carottes, pourquoi pas? Un fusil en forme de carotte, ça ce serait épatant. Attendez une minute. Carson a inventé quelque chose de merveilleux. Et il a passé un contrat avec une autre compagnie. C'est ça. Ça ne peut être que ça. Mais pourquoi pas avec moi? Il a une dent contre vous. Quoi? Il ne m'aime pas? Comment ose-t-il? C'est moi qui ne l'aime pas, nain. Vogel, croyez-vous que je pourrais reprogrammer le lapin? Je sais que je peux le faire. Donnez-moi une chance. J'étais si brillant dans le temps. Oui, mais dans le temps, c'est pas maintenant. Alloué. Ah, je m'en doutais. Je sentais qu'il se passait quelque chose l'autre jour. Quelle chose? Oh, j'en sais rien, il était, disons, bizarre. Il est toujours bizarre. Plus que d'ordinaire. Il était pressé de se débarrasser de moi. Et son fils n'avait pas l'air très normal. Ah, vous voulez dire sa fille? Son fils. Carson n'a jamais eu de fils. Il était en pension. Je suis sûr de ce que je dis, je connais Carson depuis des années. Il n'a jamais eu de fils, il a juste une fille, Becky. Alors pourquoi aller me dire qu'il a un fils? Il avait l'air d'avoir quel âge? Mais j'en sais rien, moi, un adolescent de 16 ans ou 17 ans. Oh mon Dieu, il a réussi. C'est incroyable. C'est impossible. Il a réussi. Ça y est, il est arrivé. Il a réussi. Quoi, mais de quoi parlez-vous? Carson a toujours rêvé, depuis que je l'ai rencontré. Il voulait créer quelque chose. Et ce quelque chose dont il rêvait, c'était... Eh bien, oui. Quoi? Eh bien, ce machin dont il rêve. Qui? Mais Carson, qu'est-ce qu'il a toujours voulu créer? Une minute, ça va revenir. Une seconde. Un androïde. Un androïde, un truc qui aurait l'air d'un humain et... Voilà ce que vous avez vu. Il a réussi. C'est pas croyable. Il a réussi. Je l'ai vu. Et je lui ai parlé. Et c'est vrai, j'ai marché. J'ai cru qu'il était encore un de ces imbéciles d'adolescents. Est-ce que vous comprenez? On va devenir riches. Nous allons avoir plus d'argent que le royaume du Liechtenstein. Les militaires me réhabiliteront, ça c'est évident. Je leur vendrai toute une armée de tueurs androïdes et ils me couvriront de médailles. J'aurai mon propre labo et je pourrai réinventer. Vous aurez 20 nouveaux labos. Mais vous oubliez Carson? Je l'oublie pas. Mais on ne sait pas où il est. On le retrouvera. Oui, mais il ne vous donnera jamais le brevet. Il ne vous aime pas. Eh bien, nous n'aurons qu'à prendre l'androïde, aller à Washington et obtenir le brevet. Mais ça ressemble à du vol.
ça ressemble, mais ça n'est pas. Oui, car après tout, n'est-il pas exact qu'il a inventé cet androïde en période de contrat avec moi? Oui, c'est probable, mais qu'il l'a fait pendant ses moments de loisir. Et vous voulez avoir votre propre lapin ou pas? Allons lui voler son androïde. Alors, quel genre de travail tu espères trouver, papa? Eh bien, je vais t'avouer un petit secret, Becky, j'ai déjà trouvé du travail. Tu veux rire? Non. Tu as à côté de toi le nouveau professeur de sciences de Harbor Valley, collège supérieur. Professeur de sciences? Toi? Oui. C'est logique qu'il ait obtenu ce travail, Becky. Après tout, c'est un scientifique. Est-ce qu'il a un bouton pour l'empêcher de parler? Bon, comment c'est ce Harbor Valley, tu sais? Bienvenue à Harbor Valley, charmante petite ville américaine, bien connue pour son air vivifiant et sa tranquillité. J'ai passé la brochure à travers son système. Bon, je meurs de faim, peut-être voulez-vous qu'on fasse une pause déjeuner? Oui, j'ai très faim, moi aussi. Moi aussi. Non, me dis pas qu'il mange, lui. Je suis programmé pour avoir 3 repas par jour. C'est exact. Mais pourquoi? Tu ne trouverais pas ça étrange que Chip aille déjeuner avec ses copains et qu'il reste là à les regarder? Les enfants aiment manger des pizzas, des hamburgers et aussi des frites. Comment il fait? Je l'ai équipé d'un micro-compresseur qui compresse toute la nourriture qu'il consomme en de tout petits paquets qu'il peut stocker pendant la journée. Ah, c'est dégoûtant! Ah, ça m'a coupé l'appétit. Nous inscrire au collège demain. Tu crois vraiment qu'il va réussir à se débrouiller? Oh, je crois qu'il sera prêt, n'est-ce pas, fiston? Non, je ne suis pas prêt, je suis Chip. Je t'en prie, me casse pas les pieds. Jamais je ne te ferai de mal. Je suis programmé à ne jamais blesser un humain. En fait, je suis programmé à venir en aide à tout être humain en danger. Arrête! Becky ne faisait qu'utiliser une expression, Chip. Oh. S'il se conduit comme ça demain, je vais mourir de honte et d'humiliation. Comment est ta batterie, Chip? Batterie rechargée. Et ta réserve? Aussi. Fais bien attention à ton bouton de contrôle de vitesse sous ton bras droit. Il faut que je pense à le placer à l'intérieur. Arrête! Relax, tu veux? On a répété cette journée une centaine de fois, au moins. Non, nous n'avons répété que 48 fois. C'est enregistré sur mon disque. Oui, tu parles d'un disque. Ça y est, les enfants, nous y voilà. Je sens que je vais me plaire ici. Tu crois que je vais me plaire ici? Tu peux pas décider par toi-même? Non, papa a déjà pensé à tout pour moi. Ah.
Allez, vieux Chip. Tu verras, tout ira bien. Je t'ai programmé avec un niveau scolaire de première. Mais il n'est qu'en seconde pour l'instant. Oui, je sais, mais c'est mon fils. Sinon, ça me paraît normal que sa moyenne soit plus élevée que celle des autres. Bon, ben, je crois qu'il est temps de se jeter à l'eau, les enfants. Si on se jette à l'eau, papa, je coulerai. Je pèse 180 kilos. C'est une expression, tête sans cervelle. Écoute, si tu as le moindre problème, tu n'as qu'à utiliser ton émetteur radio, d'accord? Et n'oublie pas, j'aurai mon récepteur sur moi à chaque instant, je serai le seul à pouvoir recevoir la transmission. Tu as compris? Semestre. Ah bon, d'accord, merci. Chip, tu me reçois 5 sur 5? Oui, 5 sur 5. Ah non, le 5, c'est 3 rangs plus loin. Merci. Chip, où est-ce que tu vas? 3 rangs plus loin. Nous sommes dans la bonne queue. Reste à ta place, d'accord? Oui, Becky. On est dans la bonne queue, papa. Hé, qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. Je le vois pour la première fois de ma vie. Algèbre, histoire, oui, oui, c'est bien. Ah, Chip, tu t'es très bien débrouillé. Je dois trouver la classe 811. Sors de cette pièce, marche 23 mètres tout droit, tourne à droite, grimpe, puis marche, puis tourne à gauche, fais 7 mètres tout droit et tourne encore à droite. Je l'ai programmé avec une carte précise de l'école. C'est par mesure de sécurité. Négatif, il n'y a pas de mesure de sécurité à Arbor Valley. Je ferais bien d'y aller. Nous devons nous présenter dans toutes les classes pour parfaire notre orientation. Bonne chance, papa. D'accord. Merci, Trésor. Tu oublies ton frère? Ah oui, bonne chance. Merci, Trésor. Bon, eh bien, bonne chance, fiston. Ne t'inquiète pas, croise les doigts. Vous êtes en retard. Alors, asseyez-vous n'importe où pour l'instant. Essayez-vous de jouer au plus malin avec moi, monsieur? Oui, c'est pour ça que je suis ici, bien que je sois déjà du niveau de première. Tiens, un petit génie ici. Allons, jeune homme, relevez-vous et venez vous asseoir à ce bureau devant. Et faites en sorte que je n'entende plus un seul mot de vous. Qu'il est nul. Je trouve, moi, qu'il a des possibilités. Scott Barnes. Oui. Jenny Beckerman. Oui. Chip Carson. Chip Carson. Je n'ai rien entendu, monsieur Carson. Seriez-vous devenu muet? Vous vous moquez de moi, Carson? Vous avez dit que vous ne vouliez pas entendre un seul mot. Vous feriez bien de mieux vous tenir dans cette classe, monsieur Carson. Je sais parfaitement que votre père est enseignant ici. Vous devriez vous efforcer de montrer l'exemple. Un exemple de quoi, madame Buzzy? Je crains que vous commenciez du mauvais pied, et je le déplore. De quel pied s'agit-il? Mais quel pied? Et quoi? Le mauvais. Si je sais quel est le mauvais pied, je peux commencer avec l'autre demain. Faites très attention à ce que vous faites et ne faites pas le malin. Ben dis donc, la pauvre Buzzy, tu lui as fait complètement perdre pied. Oui. C'est vrai? Tu n'as pas remarqué? Je n'ai pas vu qu'elle avait perdu son pied. En parlant de pied, pourquoi marches-tu avec les doigts croisés? Est-ce que tu as peur de tomber ou de te cogner? J'ignore ce qu'elle a peur. Ouh, monsieur Macho, waouh! Impressionnant. Alors pourquoi tu gardes les doigts croisés? C'est mon père qui m'a dit de le faire ce matin. Tu ne penses tout de même pas qu'il voulait le dire tout le temps? J'en sais rien. Je vais lui demander. Tout à fait correct. Ce n'est qu'une expression. Il est vraiment bizarre. Oui, mais très intéressant. Encore.
encore des hamburgers. Ça me rappelle quelque chose que j'ai disséqué en biologie. Merci, Angèle Daguette. Oh, ça a l'air très très bon. Tu ne manges pas? Oh, si. Je voudrais un hamburger, s'il vous plaît. Chip! Chip, viens t'asseoir ici. Ah ah, Erin a sûrement des vues sur lui. Je crois que t'es jaloux. Moi, tu veux rire? Comme ça, ton père est le nouveau professeur de sciences du collège? Est-ce qu'il est aussi mignon que toi? Non, il m'a fait plus mignon. Toi, t'es vraiment trop. Navré, je vais essayer de l'être moins. Oh, t'es toujours aussi branché? Non, je reste branché que 10 heures, ensuite je dois recharger. Si tu manges trop de ce machin, il y a de quoi péter les plombs. C'est l'heure, faut que j'y aille. Voilà. Je crois qu'il est pas net. Tiens, voilà Jack bloqué. Jack débloqué pour les amis. Salut débloqué, moi je suis Chip. Enlève-moi ça. Écoute Chip, t'es pas forcé de jouer les gros bras pour m'impressionner. Si t'enlèves pas ça dans la seconde qui vient, lève-toi et viens te battre. Je suis navré débloqué, je ne suis pas autorisé à te faire mal. Je crois que tu rêves. Ah, mes préférés. Merci, Greta. Lève-toi! Allez, lève-toi! Puisque tu sais que t'es si fort, alors pourquoi tu as besoin de te battre? Toi, tire-toi! Je dois venir en aide à tout être humain en danger. De quoi je me mêle, ringard? Qu'est-ce qui se passe, hein, ici? Ça va vous coûter cher d'avoir cassé le mobilier appartenant au collège. Allez, debout, et plus vite que ça! Mais ce n'était pas ça. Oui, c'est Jack le fautif. C'est à moi d'en juger. Nous allons aller dans le bureau du proviseur, monsieur. En avant, marche! Qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Je pense que c'est le bouton de contrôle de vitesse. Tout bien réfléchi, je ne crois pas que nous devrions aller au bureau du proviseur. Suivez-moi, monsieur. J'allais le conduire dans le bureau du proviseur, mais vu son attitude, j'ai pensé qu'il avait plus besoin de voir un psy. Alors, je l'ai amené tout de suite ici. Merci, monsieur Duckworth. Oh, J'aurais préféré thérapeute au lieu de psy, d'accord? Normal, après tout. Je ne vous appelle pas Jock Duckworth, n'est-ce pas? Ça viendra quand vous me connaîtrez mieux. Merci. Alors, Chip, pourquoi vous ne me dites pas ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé quand? À la cantine. Prenez tout votre temps et racontez depuis le début. Hamburger encore? On dirait quelque chose que j'ai disséqué en biologie hier. Chip, tu ne manges pas? Oh si, je voudrais un burger, s'il vous plaît. Chip, viens t'asseoir ici. Oh, Erin a sûrement des vues sur lui. Toi, tu es jaloux. Tu veux rire? Comme ça, ton père est nouveau prof de science. Est-ce qu'il est aussi mignon que toi? Non, il m'a fait plus mignon. Papa. Vicky. Oh, je suis navrée. Papa, Chip a des ennuis. Duckworth l'a emmené chez le proviseur. Mais il n'a pas pris contact avec moi. Il a probablement un problème de transmetteur. Retourne en classe. Ouais, ça suffit maintenant, dépêchez-vous, allez, pressons, allez, allez, plus vite que ça, plus vite, dépêchons, allez. Excusez-moi, où est mon fils? Chip Carson. Ah, oui, c'est vous, Carson, le prof, hein? Oui, oui, bah ça explique tout. Débarrasse-toi de ce chewing-gum, toi. Pouvez-vous me dire où il est? Oui, bien sûr. Mais avant, je vais vous donner un conseil. Votre fils est une menace, il est dangereux et il n'est pas très net. Vous feriez mieux de le surveiller de très près, le gamin, ou alors c'est moi qui vais le faire pour vous. Je ne suis pas intéressé par votre opinion, je vous ai demandé où il était. Ouais, bon, bah on va pas s'énerver, il est chez le docteur Stoll. Bartlett!
Chip, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est le bouton de contrôle de vitesse qui s'est déréglé lorsque je suis tombé à la cantine. T'inquiète surtout pas, excusez-moi, vous me laissez un petit moment seul avec mon fils? Oui, bien entendu. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a déréglé? Monsieur Duckworth l'a touché accidentellement. Ah bon, tiens, voilà, il faut que je pense à la placer à l'intérieur dès que j'en aurai le temps pour que ça n'arrive plus. Voilà, tout est maintenant normal, mais tu as probablement trop tiré sur tes batteries. Alors, passe sur l'auxiliaire jusqu'à ce que l'écho soit terminé, d'accord? D'accord, papa. C'est bien, mon garçon. Je suis un vrai garçon, maintenant? Bah, on fait tout pour ça. Bon, je ferais bien de retourner en classe. Merci, Dr. Stoll. Oh, je suis là pour ça, Chip. Au revoir. Hey. Oh, c'est surprenant. Il paraît si calme tout à coup. Ah, bah, il va bien maintenant. Il est. Sa mère est morte il y a deux ans, tout ça, et cette douloureuse perte et le changement de collège ensuite, enfin, tout ça le perturbe et le surexcite. Oh, oui. Et c'est incroyable. Il s'est rappelé tout ce qui est arrivé. Enfin, il a répété entièrement toutes les conversations si parfaitement qu'on dirait presque qu'il les avait enregistrées sur un magnéto. Vous devriez songer à l'inscrire au cours d'art dramatique. Oui, l'art dramatique, c'est une excellente idée, oui. Oh, merci, docteur Storm. Je vous en prie, appelez-moi Sandra. Oui, docteur. Sandra. Oui. Merci. De rien. C'est très bien. Oui. Le théâtre. Vérification terminée, papa. Tout mon système fonctionne normalement. Bon, bon, parfait. Mais il reste encore l'enregistrement. Reste branché que 10 heures, ensuite je dois recharger. Papa, il va finir par tout gâcher s'il continue à parler de tout ça. Pourquoi? C'est la vérité. Je suis programmé pour dire la vérité. Oui, mais tu n'as pas à cracher le morceau, micro-cervelle. Ne devrais-je pas dire la vérité? Non. Je veux dire oui, mais les êtres humains ont une façon d'être honnêtes sans mettre les... Les pieds dans le plat. Je n'ai pas mis les pieds, j'ai utilisé ma fourchette. C'est une expression. Je vois. Tu veux dire que je peux être honnête sans dire la vérité? C'est ça. Papa, ça ne marche pas. Mon programme de logique le rejette. Eh, Chip, je veux que tu sois honnête, mais il est essentiel et vital que personne ne sache que tu es... Eh bien, que tu es... Un tas de ferraille ambulant. Non, tu n'es pas tout à fait humain. Alors, de façon à pouvoir être plus humain, je dois apprendre les expressions qui ne signifient pas exactement ce qu'elles disent. Autrement, je finirai par mettre les pieds dans la soupe. Becky, attends. Oh mon Dieu, c'est Brian Skelly qui m'appelle. Oh, il est adorable. Salut. Salut. Je suis Brian Skelly. Brian. Oh, Brian Skelly. C'est celui que tu trouves adorable. Ferme-la, langue de vipère. Ah oui, je me souviens, oui. Tu es en cours d'anglais, c'est ça? Comment ça va, Brian? Bien. Je me demandais si tu voulais venir chez Gélardi avec moi. Nous y allons après les cours, parfois. Oh, c'est que je ne sais pas. Je connais la réponse. Non, papa veut que nous rentrions directement après les cours. Oh, ignore mon frère, il veut toujours faire le malin. Oh, non, bah si tu peux pas venir, c'est pas grave. Oh, mais si je peux. Écoute, attends ici et je vais lui demander, d'accord? J'attends. Dépêche-toi, idiot. Bonjour, monsieur Whitman. Ah, docteur Carson, n'oubliez pas de venir au meeting. J'ai préparé un speech de bienvenue à l'intention des nouveaux membres de la faculté. C'est dans 5 minutes, d'accord? Papa! Papa! Ah, Becky, il faut que tu rentres avec Chip à la maison ce soir, j'ai un meeting. Oh, mais... Écoute, rentrez tout de suite à la maison et surtout n'oublie pas de le brancher. Je ne serai pas là. Génial, il manquait plus que ça. Tiens, tu vas rentrer à la maison tout seul. Papa a dit que tu devais... Je sais ce qu'il a dit. Écoute-moi, je change les ordres. Rentre directement à la maison, branche-toi tout seul et reste ça jusqu'à mon retour. Oh, et fais mes maths d'abord, page 52 dans le bouquin orange. Papa a bien dit que je ne devais jamais faire tes devoirs. Oh, génial. Tu commences à devenir comme les humains. D'accord, oublie les devoirs. T'as qu'à rentrer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Erin a dit qu'elle voulait me parler après les cours. Erin? Pas question, rentre direct. Si tu la vois, détale dans l'autre sens, c'est clair? Pourquoi? Parce que tu lui plais. Tu aimes Brian, mais je te vois pas détaler. Oui, mais c'est différent, je suis... Humaine? Qu'importe. Qui a dit que je l'aimais? Eh bien, tu as rougi, j'ai vu que ta température est montée de 2 degrés, mes senseurs ont remarqué le changement. Oh, ça ne veut pas dire que je l'aime. 3 degrés signifie que je l'aime. 2 degrés signifie
qu'il est OK. Oh, je comprends. Sa température a augmenté de 3 degrés, ça signifie qu'il t'aime alors. Oh. Tu peux m'être utile peut-être après tout. Surtout, n'oublie pas, fais exactement ce que je t'ai dit. D'accord. Bon alors, d'après ma carte de Harbor, la maison est donc située 1,5 km vers l'ouest. Chip, salut. Je suis navré, Erin, mais je dois détaler en sens inverse. Sincèrement, il va falloir t'accrocher. L'énergie perd de sa puissance. Je ferais bien d'aligner mes coordonnées. Un humain dans l'ennui. Si je lui viens en aide, ma batterie sera à plat. Mais si je ne l'aide pas, je ne serai pas un vrai garçon. Courage, futur humain. Il faut absolument l'aider. T'es qu'un sale petit mouchard et je te jure, tu vas me le payer. Mais non, Jack, je te jure. Tu feras mieux de prier au lieu de jurer, salopard. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser faire. Ah, le détraqué. Peut-être bien que t'as fait un rapport au gros de Quers, toi aussi. Un rapport sur quoi? Sur tout ce que je fais. Rien que pour me faire mettre à la porte du collège. C'est... Ouais, t'as raison, Jack, c'était lui le mouchard, c'était pas moi, c'est lui le nouveau, son pater, il est prof ici, je te jure, c'est lui. Hein. Ah, c'est un fils de prof. Ça te met dans le rang des donneurs. Deux donneurs, je vais vous casser la gueule à tous les deux. Il y a 3 mouchards en tout. Si je ne me trompe, il y a Larry Casley. Ferme-la et mets-toi en garde. Mettre en garde quoi? Mais tes poings, idiot. Pourquoi? Parce que je vais te casser la figure. Vas-y, Jack! Vas-y! Ah, mais arrête de bouger! Mais arrête de bouger, toi, ouais! Je t'aurai une autre fois! Ouais, c'est ça, quand c'est toujours, il t'amènera une armée, hein, lui! Chip, c'est mon nouveau meilleur copain, alors fais bien attention, c'est pas toi qui vas faire la loi par ici, bonhomme! Et j'ai pris ta défense, hein, t'as vu, je te jure, je voulais pas qu'il voie, c'est tout, quoi! Oh mince, j'ai jamais vu quelqu'un qui balayait Jack bloqué comme ça avant! Oh, ça alors! Je ne l'ai pas balayé. Je n'ai pas de balai. Et si j'en avais un, jamais je ne l'utiliserais sur lui. Qu'est-ce que t'as là? Juste un peu déchargé. Ah, mais c'est pas grave, viens chez moi, c'est pas loin, c'est par là. Eh mince, sinon, heureux que j'étais là, moi je m'occupe de tout ici. Allez, entre. Hé, hey, t'es sûr que ça va? Oui, merci. Est-ce que je peux utiliser... Mon téléphone? T'es tout... Tout? Mais c'est quoi ça? De quoi tu parles? Tu te sens pas bien, là? Mais toi... Ah, tu veux dire les toilettes? Mais bien sûr, c'est par là. Il me prend bien, mais... Ah, oh, tu es
est déjà rentré. Voici Brian. Bonjour. Merci. Où est Chip? Oh, il n'est pas là? Eh bien, je lui ai bien dit de rentrer à la maison. Tu as fait quoi? C'était ta responsabilité de le ramener ici. C'est que son frère n'a aucun sens de l'orientation. Il se perd de temps à autre pendant des jours. Ah oui, je vois. Je peux vous aider à le chercher, vous savez. C'est gentil, merci. Il appellera sûrement. Non, ça n'est qu'une... Non, enfin, vous savez ce que c'est, les parents, toujours inquiets. Excusez-moi un instant, je voudrais lui parler. Chip, ça va? Ça fait une demi-heure que t'es là-dedans. Ça va mieux, merci. J'ai rechargé mes batteries. Il a dû avoir une nouvelle panne de circuit. L'émetteur n'en soit rien du tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne doit pas être bien loin. T'es branché par les ordinateurs? Mon père a assez 17 logiques électro-intégrées compactes avec des circuits logistiques DINA. T'es marrant, toi, ça n'existe pas. C'est un modèle tout récent. Mon père l'a construit. Non, écoute, je suis président de l'ordinateur club. Je reçois et je lis tous les périodiques apparentés à tout ce qui se fait dans le monde de l'ordinateur. Et je ne connais pas de ces 17. Alors t'es gentil, tu m'excuses, il faut que j'y retourne, là. Puis-je appeler mon père? Si tu fais l'appel en PCV, le téléphone est là-bas. Merci, j'en ai pas besoin. Oh, il est grave. Papa? C'est toi, Chip? Allô? Je suis à 24 Palm Avenue. D'accord. Papa, tu m'entends? Oui. J'arrive. Tu devrais intégrer ces deux phases en ligne. Tu bloques en linéaire et tu perdras moins de temps entre les switches. C'est très facile. Oui, d'accord. Et toi, pendant ce temps-là, on dirait que tu t'en vas, d'accord? Au revoir. Bonjour, Chip est là? Salut, papa. Comment vous faites ça? Fais quoi? Salut, toi. Merci. Je ne veux plus que ça se reproduise, tu entends? Et si tu t'étais montré plus responsable, ça ne se serait jamais passé, tu as compris? Alors tu veux que je passe mon temps et ma jeunesse à faire du robot-sitting? Je ne suis pas un robot, mais un androïde. T'es un bouffeur d'oxygène, voilà ce que t'es, si tu veux savoir. Ici le détective privé, vous savez, Vincent Burley. J'ai trouvé le gamin. Parfait. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Bingo. On est riche. On est riche, on est riche, on est riche. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est trouver un moyen d'enlever l'androïde et de le reprogrammer avec une nouvelle personnalité. Ça, c'est votre travail, cher associé. Je serai grandiose. Ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Je suis navré d'avoir crié. Ça ne fait rien. C'était ma faute. Non, je dois apprendre à lâcher la bride. Tous les parents doivent passer par là, un jour ou l'autre. C'est vrai. J'y arriverai, moi aussi. Je crois qu'il est primordial que Chip sorte plus. Il faut qu'il se dégourdisse. Qu'il s'implique après ses cours dans différentes activités. C'est la seule façon de vraiment le tester. Tu en es sûr, papa? Ouais, c'est qu'il faudrait bien le faire un jour. Il aura toujours besoin de s'améliorer, il me faudra sûrement le remanier. Mais je dois garder à mon esprit qu'il n'est qu'une machine. Et même si le reste du monde l'accepte comme un être humain, nous savons qu'il n'est qu'un androïde. Puisque tu le dis. Tu veux un biscuit? Oh. Salut, Chip, on commence à croire que tu...
n'aimez pas notre compagnie. Tu rigoles? Merci, mec, c'est vraiment bad. Sexe, c'est vraiment bad. Ça fait partie de mon aménagement. Papa m'a programmé avec toutes les expressions qui étaient à la mode quand il était étudiant. Chip, mais il y a plus de 20 ans de ça. Écoute, essaie de ne pas me faire honte pour une fois. Je crois que Brian va vouloir m'inviter à la soirée. Mais il ne le fera pas s'il pense que je sors d'une famille de dingue. Te mousse pas, je suis cool. Salut. Oh, ce qu'il est mignon. Arrête de le regarder. Erin, laisse-moi t'offrir de la passion. Oh, Paul, tu as de l'esprit. Eh oui, je suis né comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour que ta journée soit parfaite, laisse-moi te dire que je projette de t'inviter à la soirée. Ah, oh, ce que c'est gentil, Paul. Je suis très touchée. Mais Chip me l'a demandé tout à l'heure. Je suis d'abri. Vieilles expressions. Tout le monde va croire que t'es pas net. Écoute, je te donnerai les bonnes expressions au fur et à mesure, d'accord? Dément, oui, c'est extra. Tiens, voilà, Erin, je dois t'étaler. Attends, reste là, tu dois pouvoir faire face à ce genre de situation, dorénavant. Salut, Chip. Paix. Tu n'as qu'à dire salut. Salut. Écoute, il faut que tu me rendes un service. Paul m'a invité à la soirée, mais je lui ai dit que tu m'avais déjà invité. Alors dis-lui que c'est la vérité. Ça va pas faire des vagues? Tu peux dire que, eh bien, il ne veut pas décevoir Paul. Hé, hey, me décevoir alors, c'est vrai ça, si je dois y aller avec lui, je meurs. Garçon. Salut, pote. Top là, l'ami. Eh, mais il a disjoncté, lui. Eh, mais tu songes pas sérieusement à aller danser avec lui? Il le faut, Paul. Elle meurt si elle y va avec toi. Chip, ça alors, tu manques pas l'air. Pourquoi? C'est toi qui l'as dit. Eh, mais c'est trop facile. Encore une pirouette et tu vas retomber sur tes pieds. Non, non, mon bonhomme. C'est ton tour. En fait, ce n'est qu'une question de coup de... Eh, mais tu te trouves vraiment malin, mais tu t'en tireras pas comme ça, hein. Je t'avais dit ce matin au labo que j'allais inviter Erin à la soirée, et toi, tu passes derrière mon dos pour l'inviter. Erin, c'est pas juste de mettre Chip dans cette situation. C'est vrai, tu devrais aller avec celui qui te l'a demandé, promis. Exact. Je l'ai invité le premier. C'est pas vrai? Oui, c'est exact. C'est toi. Je croyais... Tu me... Ah ben, on dirait que ni l'un ni l'autre n'aura le plaisir d'être en compagnie d'Erin à la soirée. Eh bien, comme le dit mon père, que sera, sera, tu récoltes ce que t'as semé, la valeur n'attend pas le nombre des années, fais l'amour, pas la guerre. Chip, ferme-la, tu veux bien? Tiens, bah c'est malin, Carson. Grâce à toi, ta sœur non plus, elle pourra pas aller à la soirée. Ça y est, le voilà. Oh, il a pas l'air si réel. Regardez sa façon saccadée de marcher. Eh, hey, pas lui, mais lui. Oh, oh, oh. Elle est passée derrière avec l'équipement. Bonjour, jeune homme. Oh, bonjour. Vous êtes Chip, exact? Non, Chip Carson. Amusant, très amusant, c'est vrai. Écoutez... Je suis un vieil ami de votre père. Si je vous accompagnais chez vous... Non, merci, monsieur. Je ne vais jamais avec les étrangers. Dirks, soyez prêts. Nous allons enlever ce sale boutard. Génial. C'est un génie. Oh... Il manquait plus que ça.
j'ai vraiment pas le temps de... C'est une fausse moustache. Oui, alors c'est un crime? Vous allez m'arrêter parce que je porte une fausse moustache? Sans ça, ça te va, Chip? D'après mon thermostat, à point, papa. Oui, mais c'est parfait, hein? On va donc dîner. Appelle Becky. Le dîner est servi. Je m'en fiche, j'ai pas faim. Tu es déçu parce que Brian a invité Erin à la soirée? Va-t'en et laisse-moi tranquille. Je peux t'emmener à la soirée? Oh, je vois ça d'ici. 180 kilos de métal, m'écrabouillant les pieds en dansant. Non, merci. Tu veux bien t'en aller et arrêter de me gâcher la vie? Je ne voulais pas te gâcher la vie, Becky. Ouais, c'est ce que t'as fait. Depuis que t'as mis les pieds dans cette famille. Je suis désolée. Oublie cette histoire. Écoute, je suis navrée si je t'ai blessée. Ça ne fait rien. Je l'ai mérité. Blessée. Dites-moi que je rêve. Oh, papa, tu ne vas jamais le croire. Tu sais quoi? J'ai blessé Chip, je lui ai fait de la peine. Pourquoi tu lui as fait... Quoi? Il a dit qu'il m'emmènerait à la soirée et j'ai dit pas question. Et je t'assure que je l'ai blessé, je l'ai bien vu. Il ne faut pas sauter sur les conclusions, il faut être rationnel et scientifique avant tout. Chip, qu'est-ce que tu ressens? Ressens? Oui, lorsque ta sœur t'a dit qu'elle n'irait pas à la soirée avec toi, quelle a été ta réaction? Comme un poids à l'intérieur, dans mon central ordinateur. Ensuite? Comme une chaleur, dans mes sensors vidéo. Eh bien, Becky, tu as peut-être raison. Il est en train d'expérimenter une émotion humaine. Oh, ouais! Est-ce que c'est bien? Bien, si c'est vrai, c'est fantastique. Ça veut dire que je suis un humain, maintenant? Eh bien, pas tout à fait, mais tu as eu de la peine et c'est génial. Mais les humains ne sont pas censés se faire du mal entre eux. Non, je sais bien sûr, mais l'important, en fait, c'est que tu ressentes et pas que tu aies eu de la peine. T'inquiète pas, je t'expliquerai tout ça plus tard, à la soirée. Mais je ne sais pas danser. Te fais pas de soucis, je vais te programmer tous les pas de danse. Eh bien, courage. Ça va, Becky? Bien. Chip? Maintenant, je vais vous mettre vos traces. Oh, merci, docteur. Sandra. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Affirmatif. Parfait. Surprise. Tu veux danser? Oh, d'accord.
prendre l'échelle pour monter jusqu'au deuxième étage. L'échelle ? Vous êtes le seul à pouvoir placer la télécommande. Alors je dois y aller. C'est le twist il y a des années. Je me demande où il a appris à le danser. Depuis des années, voulez-vous essayer le twist? Pendant que je vais chercher des serviettes. Papa, tu m'entends ? Je dois trouver un endroit pour réparer. Là-dedans. Je prends sur moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Chip, mais il y a le feu! Non, c'est moi, je fume. Je savais pas que tu fumais. J'essaie de m'arrêter, c'est pour ça que je suis ici. Je sais, ça doit pas être facile. Je comprends. Depuis quand tu fumes? 4 minutes 27 secondes. 4 minutes et 27 secondes ? 28 secondes. Bon, dans ce cas, ça ne devrait pas être difficile d'arrêter. Oui, en effet, dès que j'aurai analysé les raisons qui m'ont fait commencer. Eh bien, essaye de te rappeler pourquoi. Tu dois savoir ce qui a provoqué ce phénomène. Eh bien, je crois que ça a commencé lorsque tu es parti chercher les serviettes. Mon départ a tout déclenché ? Waouh, t'es vraiment très sensible. La plupart des autres garçons sont l'opposé. Pourquoi tu me laisses pas entrer? Peut-être que je pourrais t'aider. Je suis désolée, Erin. C'est quelque chose que je dois faire tout seul.
Ça y est. J'ai cessé de fumer. Waouh. T'es surprenant. Vraiment surprenant. Et quel self-control. Je le tiens de mon père. Que vous y arriveriez. Maintenant, écoutez. Je veux que vous sortiez de là-dedans pendant qu'il est encore... J'ignore ce que vous pensez, les enfants, mais moi, j'ai passé une très bonne soirée. Oui, moi aussi. Pas toi, Chip? À part un petit problème de fonctionnement, je me suis bien amusé. Quel petit problème de fonctionnement? Tout est en ordre, papa. J'ai tout vérifié et j'ai fait la réparation moi-même. Tout seul? Oui. Tu es fier de moi? Ah oui? Ah oui? Très fier. Bon, il ne reste plus qu'une chose à faire, attendre. Alors, tout est en ordre? Oui. Il a peut-être subi quelques petits dommages très mineurs quand il a reçu le verre d'eau, mais rien qui ne puisse attendre le matin. C'est vraiment génial qu'il se soit réparé tout seul. Il est vraiment en train de changer. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te sens bien? Ah, oui. Eh bien, on dirait que c'est en train de se produire. Tu vois, après toutes ces années, tous ces faux départs, c'est en train de se produire. Tu vois, c'est presque un véritable garçon. J'aurais voulu que ta mère puisse voir tout ça. Elle serait tellement fière de toi, tu sais. Aussi fière que moi. Bonne nuit. Bonne nuit, Trésor. Bonne nuit, fiston.
qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Chip a été kidnappé. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois le retrouver. Non, pas tout seul, moi aussi je viens. Becky, c'est bien trop dangereux. Mais enfin, il faut que tu me laisses venir. Non. Je t'en prie. C'est mon frère après tout. C'est pas vrai? Très bien, dépêche-toi de t'habiller. Et dès qu'il sera tout à fait réactivé, on le reprogrammera complètement. On lui donnera une nouvelle identité. Soldat Sam. Oh, je meurs d'impatience. Je suis conçu pour rejeter toute nouvelle programmation. Quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit négatif. Je suis conçu pour rejeter toute nouvelle programmation. Je sais ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est sûrement équipé d'un système anti-reprogrammation incorporé. Non. Exact. Je vais automatiquement m'auto-détruire sur mon programme avec un excès de données négatives. Il doit sûrement y avoir un code d'accès secret. Peut-on le pénétrer? Négatif. Seul mon père peut déverrouiller le code d'accès. Quelle sorte de père est-il? Programmer son fils pour s'auto-détruire. Que se passerait-il si on faisait tous pareil? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien. C'est comme si je désamorçais une bombe. En d'autres mots, si je tente de bricoler là-dedans, il va peut-être exploser tel un... Tel un quoi? Tel un rien du tout. Nous devons trouver un autre moyen. On l'a bien fait venir ici, n'est-ce pas? Alors comment on a fait ça? Des micro-ondes qui annulent toutes les bases de fonctionnement... Négatif. On... Les micro-ondes n'ont marché qu'à cause d'un mauvais contact qui s'est produit ce soir au cours de la soirée. Ça c'est parfait. En d'autres termes, si on est arrivé à l'amener ici, c'est à cause d'un mauvais contact. Vous êtes viré. Prenez vos affaires et sortez d'ici. Oh, attendez, j'ai tout compris. On est fait comme des quel génie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai désactivé. Voilà tout. Le gosse a incorporé une sorte d'avertisseur sonore et Carson à un détecteur qui peut l'amener tout droit jusqu'à nous. Vraiment, c'est un homme qui a pensé à tout. Il est brillant, il est brillant, il est brillant. Ah oui. Eh bien, c'est que moi aussi, moi aussi, moi aussi. Réactiver cet enfant. Mais est-ce que vous êtes dingue? Ça amènera Carson tout droit jusqu'à nous. Exactement, Dirks. Exactement. Oh. Chercher partout. Peut-être qu'ils ont déjà quitté cet état. Nous ne pouvons pas abandonner tant que je... C'est Chip! Chip! C'est Becky! Où est-ce que tu es? Chip! Regarde par là, il est là! C'est la camionnette que j'ai vue hier soir. Becky, attends. Je t'avais dit d'attendre. Oui, mais tu m'as pas dit où? Chip, où es-tu? Il est juste à côté, Carson. C'est Vogel. Et Dirks.
Salut, Jonas. Ça fait drôlement longtemps. Eh, brillant, hein? La porte ne s'ouvrira pas, Jonas. Elle est scellée, il n'y a rien à faire. Mais nous vous avons laissé une semaine de nourriture car nous avons pensé que d'ici là, le brevet serait déposé, signé, lui et approuvé par le bureau des brevets. Non, Chip, détruis-les. Je sais que tu peux le faire. C'est que Chip est un peu, disons, hors d'état de nuire. Chip, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, rien de sérieux. Une micro-onde a endommagé légèrement à des cylindres. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, Vogel. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'aime cette phrase. Je pense que je vais l'écrire pour mémoire. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux l'accès, le code d'accès, Jonas. Pour que vous le reprogrammiez en arme de guerre pour Goss? Chipinou que j'ai là, c'est juste le commencement. Je projette de fabriquer toute une armée de soldats combattants en les reprogrammant pour la destruction. On va gagner des millions. Maintenant, Jonas, nous allons jouer à un petit jeu appelé roulette. La roulette androïde. Oui, nous allons reprogrammer Chipinou avec une toute nouvelle identité. Turks m'a dit qu'on avait 10 secondes avant que son anti-reprogrammateur se déclenche et ne se mette sur autodestruction. Donc la vie de ce gamin est entre vos mains? Ou bien vous me donnez l'accès du code et il survivra, ou vous refusez de me le donner, et dans ce cas, le travail de toute votre vie s'envolera en morceaux de ferraille. J'adore ce petit jeu. Fais quelque chose, ils vont le tuer. Et puis qui, tu sais ce qu'ils projettent de faire? Oui, mais papa, ils veulent le tuer, les laisse pas faire, je t'en prie. Je suis navré, Becky. Bon, allez-y, Dirks. Compte à rebours, Jonas. 10. Papa. 9. Je t'en prie. 7. 6. Les laisse pas faire ça. Papa, je t'en supplie, arrête. 4. 3. Stop, c'est d'accord. L'accès au code. C. A-R-S-O-N, Carson. Oh, mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant? Parce que vous êtes mon cher ami, vous êtes un idiot. Désactivez son anti-reprogrammeur. Chip, ne les laisse pas faire, bats-toi! Dans quelques minutes, il n'aura plus en mémoire votre souvenir, ni Arbor Valley, rien du tout, excepté ce que je vais lui programmer. Dis au revoir, Chip. Non! Chip, tu n'es pas juste une machine. Je sais que c'est faux. Chip, écoute-moi. Nous t'aimons. Chip, c'est Becky, c'est ta sœur. Papa, il ne me reconnaît pas. Ça va aller, Becky. Non, c'est faux. Jamais ce ne sera plus comme avant. Jamais, t'entends? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il va de partir d'ici. Mais quoi? Les laisser là-dedans? Mais ils vont être écrasés, ils vont mourir. Et après? Dépêchons-nous et faisons tout exploser. Mais j'ai pas fini de reprogrammer son identité. On n'a pas le temps, venez. On finira ça plus tard. Dépêchons, plus vite. Allez là-dedans et attendez-moi. Et je vais le mettre dans la caisse et je resterai près de lui. Je préfère rester à côté de notre chargement. C'est vous qui conduirez. D'accord. Et où est-ce qu'on va? Au bureau des brevets. Ah oui, et au bureau des brevets. Pourquoi faire? Quand je frapperai, démarrer. Lève le couvercle. J'ai dit lève le couvercle. Regarde, lève-le comme ça. Pas comme ça, triple idiot, lève le plus haut. Entre dans la boîte. J'ai dit entre dans la boîte. Je t'ai donné un ordre, je crois. Quand je te donne un ordre, tu dis oui, monsieur, et obéis. Oui, monsieur, et obéis. Mais
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu comprends pas ce que je te dis? Entre dans la boîte. Négatif. Démonstration demandée. Démonstration demandée. Mais triple idiot, tiens, regarde ta démonstration. Regarde, tu passes les jambes là-dedans, tu rentres et tu t'assieds. Il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai peur de toi. Au bureau des brevets. Je suis un humain maintenant. Tu es aussi humain qu'on puisse l'être.